Bienvenue tout le monde pour cette nouvelle vidéo sur Gran Turismo 7. Aujourd'hui, on est lundi, du coup, on s'attaque à la course Daily Race. Cette fois-ci, on est en C, en GR3, on est sur le Grand Prix de Suzuka. On va être parti pour 20 tours. Je démarre 5e et il y a un arrêt obligatoire dans les stands. Il va falloir un peu économiser son carburant. Donc, on va voir comment que ça se passe. Je reviens doucement, j'ai encore un peu de mal, mais je sens que progressivement, ça revient. Donc, on se donne tout de suite rendez-vous sur la grille de départ. Bon, eh bien, on est parti. 5e en 1:59.582 avec la Mercedes, hein, comme d'habitude. On va essayer, hein. On va essayer de faire quelque chose, au moins un résultat. De pas se cracher, ça serait bien. Vraiment bien, de pas se cracher. Donc, on va voir, tout simplement. Donc, devant moi, c'est Ghost, l'Africain, qui est devant. Et derrière moi, l'Allemand Tigel Mania. Allez, c'est parti. Je vais économiser un peu. Il y a un arrêt obligatoire. Donc, je sais pas quand est-ce que je vais le faire. Je ne me suis pas entraîné pour. Tout ça va être que du feeling. Il y a une Mercedes juste derrière moi. Mal pris. J'ai la pression. Bon, le départ s'est bien passé, le premier tour aussi dans l'ensemble. De mal là. J'ai un peu de pression, je vais pas le cacher, ce que je veux bien faire. Correct l'allemand là derrière, c'est bien. Faut être patient, il y a 20 tours.
J'ai cru que j'allais jamais la passer cette chicane. Bon, normalement je tourne en 2 minutes. Hein. Train derrière, c'est impressionnant. Je fais de la merde. Ah, j'ai fait de la grosse merde. Je peux accélérer un peu plus, je pense, au niveau du carburant. Il est à mon cul. Hein.
C'est vrai, il est correct, hein. En fait, en vrai, fallait pas économiser, je crois. Merde. Dommage. Voiture derrière une Peugeot. J'arrive pas à être régulier en fait. Elle a du mal là. Elle a vraiment du mal. J'ai vraiment du mal. Ouais, j'ai vraiment du mal. Faut que je règle les freins à l'arrière. Elle tombe plus. Encore un Allemand derrière. On est d'accord qu'il y a un arrêt obligatoire, hein. Je vais pas me faire couillonner, hein.
à l'intérieur, l'allemand. Bien joué. Oh, je me suis fait peur. Est-ce que si je m'arrête au stand avant, ça va le faire? Je vais essayer. On va essayer. On va essayer de faire un truc. On est d'accord que on est obligé de faire un arrêt. Hein. Ah, il y a Morlock qui s'arrête aussi, donc ouais. Ok, on doit s'arrêter. J'ai la pression. Hein. Honnêtement, j'ai vraiment une pression énorme. En plus, le volant bouge en permanence. J'arrive plus ce virage là. Deuxième qui pite.
On va remettre le calibrage de frein à zéro. Il a une pénalité celui de derrière, le russe. Je suis quatrième. Bon, ils ont des pneus beaucoup plus neufs que moi, j'ai tenté. On va voir, mais j'y crois pas. Ils reviennent fort hein, derrière. Mais c'est pas possible, hein, l'erreur! Allez, je fais que des conneries.
dégoûté. Non, dans les virages, c'est hallucinant. Je parie qu'ils sont tous rentrés dans les stands, ceux-là. Tu reviens sur la piste comme un gugus quand même. Après je comprends la frustration et tout. C'est moi ou il y en avait un sur le côté? Tenter là. On va tenter là. Bien joué. Il a dérapé derrière. Ça, l'espagnol, il est correct aussi, j'ai l'impression.
Ça va être limite niveau carburant, j'ai l'impression. Il va falloir économiser peut-être un petit peu. On est tous rentrés dans les stands. Laisse pas beaucoup de place quand même. Ça va, dans l'ensemble. Oh! Attends, heureusement qu'on n'a rien eu, hein. En fait, celui de l'Espagnol, il s'est loupé. Donc du coup, oh putain, le pauvre. L'anglais, il a tout pris. Donc du coup l'Espagnol s'est loupé, celui de derrière, le Polonais, il lui est rentré dedans, moi je lui rentre dedans. Parce que j'ai... Enfin non, je freine et Enfin bref, enchaînement quoi. C'est la merde. J'y arrive pas. Oh là là, j'y arrive pas. Putain, ça me saoule quoi. La physique, elle a complètement changé dans Gran Turismo, donc du coup, je dois tout réapprendre. Et ça me frustre, là. J'espère que ça va pas me démotiver, parce que là, ça me frustre vraiment. Hein. En plus,
Après, il faut peut-être essayer la BM, hein, parce que c'est la BM qui a le meilleur temps. Faut voir avec la BM. Hein. L'avant-dernier tour. Non. Non, tu vois? Qu'on faillit la perdre. Bon bah dernier tour. Possible. Mais non, mais... Toi, j'ai bien fait d'économiser quand même au début de course. Bon, un 9e. Nul à chier. Ouais. Nul, 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 nul. Je suis extrêmement... Mais vraiment dégoûté, quoi. Bon, le seul point positif, c'est que j'ai gagné du rang de pilote, apparemment, malgré ma 9e place. J'ai gagné 9e pour grâce aux abandons, hein, je veux pas dire le contraire. Mais je suis extrêmement dégoûté de cette course. Pourquoi ? Parce que
D'une, j'ai pas la rapidité, la physique a changé, faut que je m'y fasse. J'espère vraiment que ça va me... que je vais me motiver pour poursuivre, parce que là, ça me frustre, mais énorme. Parce qu'avant, j'étais beaucoup mieux que ça, beaucoup plus à l'aise. Là, je suis pas à l'aise, je suis sous pression. Donc, ça va revenir, hein. Je le sais, beaucoup de personnes me le disent, mais voilà, au début, c'est très frustrant de courir et de pas pouvoir être performant. On le voyait, hein, dès qu'on me doublait, j'arrivais plus à accrocher le wagon. Donc voilà, je suis très 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 frustré. Mon erreur a fait que j'ai perdu énormément de temps. Maintenant, est-ce que la stratégie de rentrer quelques tours plus tôt avant tout le monde, c'est efficace à court terme? Oui, à long terme, je ne pense pas. Faut voir. Donc je vais peut-être réessayer cette course, ou les autres, mais je vais peut-être réessayer cette course et je ferai peut-être des lives justement sur YouTube cette fois-ci. Comme ça, vous aurez les notifications quand je live. Enfin, on verra. On verra bien. Bref. Compliqué. Voilà, course très compliquée. La Mercedes, je sais pas si elle est bonne sur ce circuit. On voit bien, hein, la BM, normalement, est largement dessus. Même si le deuxième, c'est une Mustang. Et le troisième, c'est une Porsche. 4e, 5e, c'est la Peugeot. Bon, c'est assez Lexus. Hein. Ouais, c'est assez équilibré. Il y a même une McLaren. C'est assez équilibré, niveau voiture. Enfin, bref. Donc voilà. Donc, je sais pas quoi dire d'autre. Ah, si. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de venir me suivre en live sur Twitch. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.